Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Siphano et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed 4. Très content de vous retrouver les amis, ça fait une petite semaine que j'avais pas touché au jeu et ça commençait vraiment à me manquer. En effet, hein, vous le saviez, sur les derniers épisodes, je les avais enregistrés en avance tout simplement puisque j'étais un petit week-end sur Paris tranquillement pour me reposer. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis un petit peu de lire vos commentaires, tout ce qu'il y avait pu se dire. Alors... déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite. Non, je ne suis pas un débile qui ne connaît pas la manette de la PS3. Puisque j'ai vu vos commentaires qui me disaient que c'était la touche Select qui permettait d'avoir plus d'informations. Bah, il se trouve, les amis, que pourtant, c'est une touche sur laquelle je n'arrêtais pas d'appuyer. Puisque, effectivement, moi aussi, c'est la première touche à laquelle j'ai pensé. Alors, bug ou je sais pas quoi, j'en sais rien, on réessayera, y a pas de souci, mais jusqu'à présent, à chaque fois que je bourrinais cette touche, il ne se passait rien, ou que je laissais appuyer, pour ceux qui pourraient mal interpréter. Voilà, donc c'était la petite... hop là, voilà, ça s'est récupéré, la petite information. Sinon, pour rappel, dans le dernier épisode, pardon, nous avons attaqué le fort, non sans mal, parce que c'était... C'était assez complexe, hein. C'était pas évident, j'ai trouvé. Puis il faut le temps que les réflexes reviennent un petit peu, même si, bon, par rapport aux 3, je trouve que je m'en sors bien mieux, enfin, au niveau des contrôles en tout cas. La maniabilité, ça me parle tout de suite beaucoup plus. Oh, il est mignon le chat! Meurs. Non, je peux pas le tuer, tant pis. Et donc là, comme vous le voyez, je suis en train de me rendre vers mon prochain objectif. On va essayer d'avoir cette note de musique. Je sais pas si ça va être possible. Oui, ça va être possible. Voilà. Puisque je vous rappelle également que je vais essayer d'avoir tous les petits trucs optionnels comme ça qui se trouvent dans la Havane. Donc on les prend un petit peu comme ça sur notre passage, même si on s'arrête pas sur tous. C'est plutôt pratique. Donc normalement, je dois pas être très loin de l'objectif. On va voir ça ensemble. Ouais, j'en suis plus très loin. Oui, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur la touche Select pour voir. Bon, on va vérifier ça un petit peu plus tard dans l'épisode quand j'y penserai. Là, c'est vrai que quand j'ai tendance à parler, parfois j'oublie un petit peu ce qui se passe autour. Sauver les pirates, libérer les pirates. Alors, ça, je serais bien tenté de le faire parce qu'on l'a jamais fait jusqu'à présent. Alors, attendez. Bim! Oh, voilà, mange-toi ça. Oh, c'était classe. Sorti d'un sale pétrin, capitaine. Jack, te remercie. Oh, c'était beau. Bah voilà. Bah, vous vouliez du furtif, voilà, ça c'était classe. Par contre, juste une chose que je ne comprends pas pourquoi ça aurait fait ça, mais on va vite fait vérifier. Pourquoi le type, quand il m'a parlé... Ouais, sous-titre, ouais, je sais pas. Bon. Ma foi, vaut peut-être pas chercher à comprendre. Du coup, on a sauvé les pirates, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? Déjà, on va le fouiller, lui. Yep. Parce que je vous rappelle qu'on va pouvoir s'acheter des meilleures armes. Alors, c'est bien, je les ai pas tués, mais je peux les fouiller quand même. Plutôt pratique, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a juste ici? Ah, c'est un vendeur d'armes, justement. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous échanger. Lâche-toi. Qu'est-ce que t'as pour moi? Ouais, on va regarder les épées toujours. Pour le moment, on va rester aux épées. Vous inquiétez pas, on fera du pistolet. Mais vitesse 2, combo 3, dégâts 3. Et actuellement, j'ai quoi? Dégâts 1. Ah, c'est pas tip top ce que j'ai. Eh, j'ai ça aussi. S'équiper de... Ah non, j'ai ça, moi. D'accord. Aïe, 14 000, ça c'est la meilleure, les rapières, je crois bien. Vous me direz... Les épées de Courfre... Ah, en dégâts... Ouais, mais faut voir le reste aussi, parce que vitesse et combo, c'est important. Non, la rapière, c'est celle qui me semble vraiment meilleure vitesse d'exécution. Les combos... Au top, ouais. Et peut-être un poil moins de dégâts, mais enfin bon... Alors moi je pense qu'on va se concentrer sur les rapières, donc il va nous falloir pas mal d'argent encore. D'ailleurs je suis en train de voir qu'il y a un coffre qui est juste à côté de nous, et ainsi qu'un fragment, donc on va aller les prendre. Ainsi qu'une note de musique, bon c'est pas possible, on s'en sort plus. Vous inquiétez pas, j'ai vu que la manière de faire vous plaisait plutôt pas mal. Alors ça c'est les fameuses danseuses. Ah bah, la dernière fois il n'y en avait pas vraiment à côté du fort. En tout cas le coffre il est là. Non en tout cas j'ai vu que la manière de procéder vous plaisait pas mal. À savoir... Voilà, récupère. À savoir... Yeah, cool. À savoir un petit peu d'annexes au début ou à la fin de l'épisode, ainsi que la quête principale, quoi, tout simplement. Comme ça, on prend notre temps. J'avais déjà pas mal pris mon temps sur le
sur le 3. Enfin, pas mal pris mon temps. Je sais que ça avait duré 23 épisodes. C'est pas non plus mon plus long let's play. Il est où, il est là. C'est pas non plus mon plus long let's play, c'est vrai. Mais enfin, j'avais trouvé que ça avait duré relativement longtemps. Surtout que je n'avais fait que la quête principale. Et je faisais comme... mince, la note. Je faisais déjà comme aujourd'hui... deux épisodes relativement longs. Tu pourrais la suivre, la note, s'il te plaît. Rattrape. Ouf, ça va être chaud de la voir celle-ci, hein, les amis. Allez. On est en train de la rattraper. Vas-y. Chope là. Voilà, parfait. Youh. Pas évident. Bon, allez, regardez, on a un point d'observation juste à côté. On se rapproche de notre quête, mais c'est vrai que je prends mon temps d'explorer un petit peu la Havane, parce que bah, c'est une ville qu'on... Ah, attendez, maintenir pour plus d'infos. Je maintiens pour plus d'infos. Ah, bah voilà, on y sera arrivé. Bah ouais, bah alors fallait vraiment maintenir, mais maintenir super longtemps, vous voyez, bon bah c'était bel et bien select. Par contre, regardez-moi comme c'est long, cette chanson apparemment employée lors de la manœuvre à bord parle de Billy Riley, bon danseur et propriétaire ou capitaine de navire, et de sa fille que tous aimeraient courtiser. Bon, on va passer les paroles en anglais. D'accord, on va faire un petit peu de lecture rapide là. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de lecture du coup là pendant quelques minutes, mais c'est pour rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire les fois dernières. Maintenant on pensera à le faire. Cette chanson raconte la cour menée depuis 7 ans par un marin auprès de la jolie Sally, qui n'a toujours pas cédé à ses avances, mais le comte compte bien l'épouser à son retour. Ah non, mais ça va rapidement, parce que là c'est la... Ça va aller vite en fait ici, parce que regardez, cette chanson raconte les prouesses inventées d'un bélier rencontré au marché, le refrain puissant qu'il s'agit de mensonges. Bon, je vous lis pas tout ce qu'il y a en anglais, hein. Déjà mon accent anglais est dégueulasse, parce que voilà, vous allez pas tous comprendre. Non, mais c'est surtout que oui, ça va, vu que c'est les notes de musique là, ça va, c'est pas très long. Spanish Ladies est un chant de marin traditionnel britannique racontant le voyage des marins anglais vers l'Espagne. Cette chanson de marin britannique remonte, semble-t-il, à la toute fin du 16e, elle raconte l'histoire d'un équipage qui parvient à triompher d'un navire pirate malgré le subterfuge utilisé par les flibustiers. The Dead Horse. Dans cette chanson, des marins à terre voient passer un pauvre homme et son cheval mourant et disent à l'homme que son cheval deviendra une fois mort. D'accord. Ah, on a tout ça aussi. Oh là là, ouais, non, mais si je commence à tout lire maintenant, on va faire la faune vite fait, on doit pas avoir grand chose. Cochon sauvage. Le cochon sauvage est un cousin de grande taille du cochon domestique qui se caractérise par des soies épaisses. Il a été introduit dans le bassin des Caraïbes par les Européens. Les cochons sauvages se sont bien acclimatés au milieu insulaire et ont été chassés par les marins et les pirates afin de préparer du porc salé pour leur voyage. Voilà, on va pas tout lire maintenant, peut-être on y reviendra plus tard dans l'épisode ou quoi. Mais effectivement, vu que c'était des choses que j'avais oubliées, enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'avais pas trouvé comment y accéder jusqu'à présent. Faut vraiment maintenir un sacré moment, hein. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Voilà, on fera un petit peu partie de partie. Je sais que pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Amnesia, ça vous dérangeait pas que je lise au final ce genre de notes et tout. Ça contribue à l'histoire, tout simplement, donc voilà. On va pas tout faire d'un coup, on va se rendre à notre quête principale, parce que ça va bientôt faire 10 minutes. On se synchronise. Mais on refera un petit peu de lecture comme ça, et puis au fur et à mesure, on n'aura plus qu'une note à lire comme ça de temps en temps, donc ça ira beaucoup mieux. Mais là, vu qu'on récupère beaucoup de choses, c'est un petit peu normal. Déplacement rapide débloqué, la Havane disponible. Voilà, oui, ça aussi vous me l'avez dit, ces petites icônes à chaque fois que je ne sais pas ce que ça représente, ce sont les... Ok, j'avais pas vu le truc de paille, j'avais pas vu le... la cage de paille. Ces petites icônes à chaque fois représentent les déplacements rapides. Donc par exemple, on va vite fait tester, si vous me permettez... Par exemple. Déplacement rapide, ouais. J'ai plus qu'à appuyer sur carré, on va pas le faire, mais voilà. C'est une bonne chose. Allez, maintenant, trêve de blabla, on va un petit peu s'attaquer à la quête principale quand même. On va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Monsieur Walpole, je présume. Buenos dias. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre, pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Ça a l'air assez sécurisé dans le coin, on va faire attention à pas faire de bêtises. Ah, quoique, vous me direz. Ah non, mais forcément, oui, je vous rappelle qu'on se fait passer pour quelqu'un. Hein. Donc on va aller voir ce fameux Walpole. Je peux courir? Non, je peux pas courir. Bon, vous lirez un petit peu là ce qu'ils sont en train de se dire, mais ouais, effectivement, on doit aller voir ce fameux Walpole depuis qu'on a tué l'assassin. On va voir comment ça va se passer.
Manoir du gouverneur. Base de données Animus. Bon, bah là, on y est. Hein. Le manoir du gouverneur était la demeure du gouverneur espagnol en poste, mais servait aussi de prison. Une nouvelle demeure fut construite de l'autre côté de la place en 1791. D'accord. Bon, les autres, on lit pas tout de suite. On lira plus tard. Là, on fait un petit peu la zone. Je pourrais revenir, voilà. C'est parti. On va voir. À mon avis, il va y avoir du fight. Rejoignez la terrassée. Bon, j'y suis. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi. Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan ? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Eh bien, parfait. Donc, apparemment, on va s'entraîner. Prenez-en grand soin. Si j'en avais 8, je les traiterais comme mes propres fils. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à les manier. Bien, donc oui, j'étais en train de dire. Bon, on va les laisser parler. Hein. Je peux malheureusement pas tout le temps me taire sur les dialogues, sinon je parlerai plus du tout. On va s'entraîner un petit peu au pistolet, c'est très bien. Alors, la roue des armes, on prend le pistolet, on maintient là. Boum. J'espère voir le jour où les armes à feu seront équipées de 4 balles et non l'inverse. Je vais vous présenter l'un de mes amis, Julien. James Puckle. Sur la cible en surveillance. Appuyez sur. Ah bien, je peux tirer sans viser si je le souhaite. Là il recharge et là. Et il recharge toutes ses balles. Et là par exemple. Boum. Parfait. Vous êtes assez amusé. Bon bah c'est bien. Défi. Continuez ou défi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le défi d'abord, non? Ah oui mais attendez, mais on va faire le défi quand même. Très bien. C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Ok. Hop. Ah ouais, non, par contre, s'il recharge, ça va pas le faire. Vite. Allez, recharge. Annulez, recharge. Voilà. Et vite, le dernier. Voilà, parfait. On les a tous eus. Pas de chance. Mince, il en restait une. Ah, dites donc, hein. Et voilà, il recharge le pistolet. Génial. Alors qu'on venait de recharger juste avant, ça c'est bizarre pour le coup. Hop. Et donc là, il recharge. Vite, allez, mais... Bon, ok, c'est pas faisable. Je crois que c'est pas faisable dans l'état actuel des choses, parce que franchement, il me rajouterait 5 secondes de plus, je dis pas, mais à chaque fois, ça recharge, il n'y a pas le temps. Tant pis, on va continuer plutôt. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Bon, c'est plutôt sympa. Ils sont en train de m'équiper, vous me direz. Donc là, maintenant, on a les deux lames d'assassin, évidemment, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, je... Allons, nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue.
Ce serait dommage de vous laisser repartir sans vous avoir vu à l'œuvre. Oui, bien sûr, si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez, des situations toutes adaptées à vos talents. Il a l'air assez mal barré, je pense. Ils vont se rendre compte que c'est pas un vrai assassin. Une approche sans fioriture, rien de grandiose, furtive et rapide. Hop, voilà. Montrez-nous une autre technique. On va essayer de faire un assassinat de manière classe. Bah alors, cache-toi dans le tas de foin et chope-le. Parfait. C'est bien, ça nous fait une petite phase de tuto. C'est exactement ça, la discrétion. C'est exactement ça, la discrétion, oui. Je saurais surestimer l'effet de surprise. Là, je peux me cacher là-dedans, non ? Quand les perspectives sont masquées. Hop. Que Satan m'emporte. Quelle méthode ingénieuse. Placez-vous entre deux citoyens pour vous dissimuler. Vos assassinats aériens ne manquent pas de poésie, malgré leur caractère un peu voyant. Je peux pas grimper là pour faire un assassinat aérien ? Ah d'accord, ok, c'était pendant qu'il terminait de parler. Donc on va faire un petit assassinat aérien. Bah alors, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourtant, j'appuie. Oui, je sais faire, hein, mon gars. Voilà. Bon, écoutez, on va aller terminer toutes les cibles, là. Ah, quoique non, ils veulent pas. On va faire ça, foncer vers l'ennemi en appuyant. Ok, je vais foncer vers l'ennemi en appuyant, voilà. On va faire tout ce qu'il nous demande de faire. Hein. Ils ont l'air convaincus pour le moment. Fascinant. Très bien, je reviens. Les assassins vous ont bien formé, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi, l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur ? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même ? Bousquet, lame, canon, grenade. Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers ? Est-elle ici ? À la Havane ? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème ? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix, accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays, ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Bien, donc visiblement, il a une petite dent contre les pirates, lui également. Grand Maître Torres, Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis ? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais... pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. J'aime bien ce petit côté infiltration et espion là qu'on est en train de jouer. Franchement, je trouve ça sympa. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guidez les désirs égarés vers la raison et la quiétude.
guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la Sagesse, que commence notre œuvre. Oh, 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 je suis pas d'accord, moi. Le conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez, contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme en est un ? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont. Le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Mission accomplie. Monsieur Walpole, je présume. Réussissez le défi au tir de Woodhurst Rogers, détrousser tous les Templiers. Ah, je pouvais les voler, là, j'étais en train de voir, justement, mais je l'ai pas fait, je me suis dit, ça risque de foutre le bordel. Ah bon, tant pis. Ouais, j'étais en train de dire, non, je suis pas d'accord, hein. Déjà avec Etam, la dernière fois on était un Templier, ça m'a foutu un coup au moral, je suis pas d'accord, je veux pas devenir un Templier, moi. Bon, heureusement, on est ni Templier ni Assassin, on est pirate pour le moment. Un infiltré pirate, c'est pas mal quand même, je veux dire, les Templiers sont quand même en train de recruter un Assassin, enfin... On voit le délire. Bon, c'est un faux assassin peut-être, mais faut voir le délire quand même, ça va loin, hein, je veux dire. Enfin bon, on continue donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Reposez-vous, Duncan. Demain, la flotte du trésor arrivera avec votre récompense. Après cela, nous discuterons de notre avenir. J'ai hâte d'y être. Excellente. Retrouvez-moi sur les quais à la première heure demain matin. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. Bien. Demain au lever du soleil. Ah bon, bah voilà, j'allais dire, moi je veux bien, mais la mission, comment elle s'affiche? Bon, bah on va probablement y aller, juste cette tête de mort, là, m'intrigue. On va aller y faire un petit tour, si ça ne vous embête pas. Comment y faire un petit tour? Je ne sais pas. Engager des pirates. Oui, non, ça, on va pas le faire maintenant. Tant qu'on n'aura pas un véritable accès à notre bateau, on le fera pas, ça. La tête de mort, c'est là, la tête de mort. Lâcher quoi? Interagir. Contrat d'assassin. Feu de camp sur la plage. Accepter contrat. Un corsaire jouant les receleurs pour les Templiers se cacherait dans les quartiers pauvres de la Havane. Trouvez-le et tuez-le. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça c'est le genre de mission que je faisais pas dans le 3. Enfin, je sais même plus. C'est pour vous dire à quel point j'ai peu fait les missions annexes dans le 3. Je sais même plus s'il y avait des contrats d'assassinat dans le 3. Alors on va le faire parce qu'en plus, il y a une récompense. Donc 1000 pièces d'or si on le tue et 500 si on ne prend pas part au combat. Ça peut être intéressant, on va le faire. Et bon, on va essayer d'en faire plusieurs, des trucs comme ça, c'est assez sympa. Alors, près du port, hein, tu dis. Cible d'assassinat, ok, je suis où moi? Ok. C'est dans une zone rouge, hein. Bon, on va voir. Rejoignez l'emplacement de votre cible. C'est parti. D'ailleurs, vous avez été également nombreux à m'expliquer que
dans l'eau, on pouvait nager discrètement pour pas se faire voir par les gardes, parce que c'est vrai que je me faisais voir à 3 km dans le dernier épisode au niveau du fort, parce que j'arrivais à la nage, et les gars me voyaient, et étaient là, disaient « Oh, qu'est-ce que tu fous, toi ?» Et du coup, je me faisais déglinguer. Alors, je peux pas vous promettre qu'on va pas se combattre, à mon avis, il va y avoir du fight, parce que me connaissant, je fail un petit peu dans le genre discrétion, c'est pas encore mon point fort. Hein. Néanmoins, on va le tuer. Alors, activer la vision d'aigle. Ok, alors honnêtement, je pense qu'il y a une manière très très simple de le tuer. Alors, je me plante peut-être complètement, mais je pense qu'il y a une manière très très simple de le tuer. On va essayer, je peux malheureusement pas vous garantir qu'on va y arriver. Mais on va essayer. L'idée serait de passer par les toits, tout simplement. Attention, zone interdite. Voilà, bonjour le fail, ça commence. On va passer par... Capturer et fouiller le messager. Oh, je peux pas tout faire. Hein. Meurs-toi, voilà. M'embête pas. Ok. Donc là, on a pris part au combat, mais c'est... Non ! Bah voilà, évidemment. Il y en a un qui m'a vu, je sais pas comment. Merde. Mince. Et du coup, là, ne prenez pas part au combat, c'est mort. Bon, tant pis, pourtant... Pourtant, on a... What the fuck ? Pourtant, on a fait gaffe, quoi, mais bon... Et à chaque fois, ils reviennent là, regardez, je peux... Ah ouais, je peux bien être discret, passer par les toits, mais... Malheureusement... Déjà, on va le tuer... Ouh ! Hop, 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 hop ! Attention, parce qu'alors lui, eux, ils font mal, ils font mal ! Meurs. Et il vous faut combien de coups de lame ? Alors, ok, j'ai pas mon... Oh, c'est chaud là, les amis. Aïe. Fuyez le combat pour récupérer de la santé. Je veux bien, mais je peux pas. Pff, ok, d'accord. Ouais. Mais de toute façon, que ce soit sur le 3 ou sur le 4, je pense que ça va être la même. Non. Surtout pas. Ça va être la même. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand je fail et tout, qui disent. Enfin, qui ont pas l'habitude. C'est vrai que sur les autres jeux, je galère moins. Les Assassin's Creed, en général, je galère un peu, c'est vrai. Mais en même temps, c'est des jeux plus complexes, je trouve. Donc, des jeux plus complexes dans lesquels il faut beaucoup plus réfléchir. Et quand tu commandes, t'as pas forcément la même lucidité pour ça. Donc, bon, écoutez, vous n'en voudrez pas si parfois je fail. J'aimerais bien monter en fait. Voilà. Non, mais sans deck, monte s'il te plaît. Il peut pas monter sur les cailloux comme ça? Il va y avoir moyen quand même de monter sur les cailloux. Parce que. Attention, zone interdite. Mais oui, mais. Ouais, mais là après, on va s'étonner que je me fais repérer là. Mais... Moi, je veux monter sur les cailloux pour monter direct là-haut. J'ai pas envie de. Ah, d'accord. Ok. Voilà, là t'es mort. Et je me fais discret. Enfin, je me fais discret. Je fais comme je peux là. Ok, on passe. Il est où le type? Ah, planquez-vous, m'avez pas vu. Voilà, là vous me voyez pas, il y en a pas un autre qui me voit, parfait. Oula. Le type que je dois tuer, il est où? C'était lui! Bon bah. Contre l'assassin, vous avez été détecté. Oh, c'est dommage! Bon, on l'aura quand même eu, mais. Ok, le type m'a détecté alors que depuis le début il me voyait pas, c'est un peu curieux. Bon, bah au moins, écoutez. On l'aura eu. On va switcher un petit peu. Eh les gars. Ok, bon. Ça vous va ou... J'aimerais bien me fight un petit peu au flingue en fait. Boum. Ah, j'adore à chaque fois le système. Ouais, alors toi par contre... Voilà comment les tuer facilement. Non mais, c'est pas... J'aimerais bien... Il y a une bombe pas loin aussi. Voilà, je crois que cette fois-ci, il est mort. Ok. Dans tous les cas, j'ai tout ce qu'il me faut, moi, donc on se casse, là. Je sais pas pourquoi je reste là, à part viser mes balles. Bon, bah écoutez, on se sera fait 1000 d'or en plus. Donc ça peut être pas mal, ces petits contrats d'assassinat, comme ça. Dommage, franchement, on était pas loin d'avoir la récompense bonus, là, pour la deuxième fois. Enfin, pour le deuxième essai, mais... On nous aura pas souri. Planque-toi dedans. Normalement, il devrait pas me trouver là-dedans. Non, vous allez pas me trouver là-dedans. Non.
Toi t'es mort. Tu viens avec moi là-dedans. Voilà, vas-y. On attend que sa barre descende. Tranquillement. Il va venir, mais il me cherche. Mais viens là toi aussi, voilà. Viens là-dedans. C'est parfait. Et là, normalement, je devrais être bientôt incognito. Si je rentre là-dedans, là, ça va me mettre incognito. On est peut-être bon là en fait. On va sortir de la zone. Ah c'est bon, je pense qu'on est bon. Bon voilà, en tout cas petite mission bien sympa. J'ai bien aimé. Et du coup on va utiliser le déplacement rapide. Histoire de varier un petit peu. Attendez, il me reste... Ouais, il me reste des points d'observation, mais on a le temps. On va utiliser un déplacement rapide. Ici. Déplacement rapide vers ce lieu. Oui. Voilà. Ça on va voir un petit peu. Ah vous me direz, l'épisode est déjà bien avancé en fait. On va voir. Disons que si c'est une longue mission, j'ai pas envie de vous faire un épisode de 50 minutes quoi. Nous allons voir. Parce qu'en plus vu qu'on est sur les quais, j'ai peur que ça lance la une mission en mer. Ouais. On va peut-être voir peut-être à plutôt faire un truc annexe encore. Point d'observation, contrat d'assassin 1 sur 6. Donc il doit rester d'autres contrats d'assassin. On va plutôt faire ça pour la fin de l'épisode. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais on va plutôt faire ça parce que, à mon avis, là, ça va lancer une quête longue, tout simplement. Un homme appelé le sage. Vu qu'on est au port, à mon avis, on va reprendre un bateau. Ça ne m'étonnerait pas. Vu que ça a quand même une... Placé marqueur, voilà. Vu que ça a quand même une importance assez grande dans le scénario, la navigation en bateau, je me dis que ça devrait pas tarder à revenir. Donc voilà, c'est pour ça. Tu pourrais descendre de là, s'il te plaît? Pas comme ça! Pourquoi il s'est pas accroché? Bon, c'est pas grave. Du coup, non, c'est par là. Du coup, on va faire encore un petit contrat d'assassinat, voir si on peut essayer de le réussir. Et on s'arrêtera là tranquillement pour cet épisode. Puis voilà, comme ça, on aura fait. J'ai envie de dire beaucoup. Enfin, une grosse quête principale. Il y a eu beaucoup de dialogues en fait. Donc, on n'a pas fait grand chose dans la quête principale. On s'est déplacé, on a fait un petit peu l'entraînement. On a foiré son petit défi, mais bon, c'était optionnel. Donc, voilà. C'était bizarre l'histoire du défi avec les pistolets parce que c'était vraiment chaud quoi. En termes de temps, je pense qu'avec 5 secondes de plus ça passait, mais le rechargement prend tellement de temps. Alors je sais, avant que vous me le disiez dans les commentaires, je sais que je peux interrompre le rechargement, mais dans tous les cas il fallait que je recharge au bout d'un moment parce que j'avais plus de balles. Donc je sais pas, bon c'est pas grave, c'est pas très important de toute façon. Alors, est-ce que je pourrais prendre ce contrat d'assassinat-ci? J'aime bien à chaque fois dans la petite cage d'oiseau, c'est sympathique. Voyons voir. Est-ce que ça va être le même genre de mission? Ne prenez pas part au combat, Emile. Ok, bah écoute. On va retenter de pas prendre part au combat. Sinon, tant pis, mais... Ça, par contre, c'est un bon moyen pour nous faire l'argent très rapidement. Je sais pas si vous avez vu, notre épée qui a 14 000... c'est juste à côté. Notre épée qui a 14 000... Enfin, notre paire d'épée qui a 14 000, ça va monter... Enfin, si on en fait souvent, ça va monter relativement vite, je pense. Et c'est cool, hein, comme ça on fera beaucoup plus de dégâts. Je préfère plus de parades mortelles aussi si les combos sont renforcés. Parce que vous êtes nombreux aussi à me dire, fais plutôt des parades mortelles, etc. Ouais, non, mais je sais, hein, c'est pas mon premier Assassin's Creed. Hein. Mais, oh, lui, franchement, lui, il y a moyen de le tuer facile. Enfin, attendez, je vais pas dire de conneries, mais... Donc ouais, je sais hein, que je peux faire des parades mortelles, mais... Oula. Oula. Ah, on s'est fait repérer quoi. Mais ouais. Ah merde. On va se laisser tuer. Je veux le retenter. Vas-y, ouais, non, mais vas-y, tue-moi. C'est fait exprès, les amis, vous inquiétez pas. Je préfère me faire buter pour retenter un coup. Tu peux me tuer? Voilà, merci. Le contrat d'assassinat là, il est où? Il est plus là? Si, c'est là. Hop, tu m'as repéré toi. Descends, pour le moment, c'est pas utile de rester là. Normalement, c'est là. Soyons. Ouais, ok. Donc, déjà, ce type-là, on va aller le buter, parce que lui, il pourrait donner l'alerte. Voilà, vous avez un Siphano en mode apprentissage d'infiltration. Voilà, salut. Donc, maintenant... Le type que je dois tuer. Mais je me demande même si à coup de flingue, je pourrais pas le buter, mais... Ah ouais, je pourrais le buter, c'est vrai, mais à mon avis, ça le tuerait pas d'un coup, et du coup, ça donnerait l'alerte. C'est pas une bonne idée. Le mieux, je dirais... Déjà, ce serait de buter les gardes en l'air, parce que les gardes en l'air vont clairement embêter. Donc toi, tu reviens ici également. Voilà, toi, c'est fait. Est-ce qu'il en reste d'autres? Je crois que j'ai fait tous ceux qui étaient en hauteur, déjà.
Déjà, c'est un bon point. Maintenant, si je descends, je vais encore me faire voir par lui, là. Donc, c'est clairement pas une bonne idée. Peut-être passer par l'arbre. J'ai peur que si on passe par l'arbre, on se fasse voir aussi. Réfléchis. Attendez, peut-être par là. Par là où on était arrivé, je dirais ici. Peut-être que d'ici, il y a moyen. Ouais, d'ici, il y a moyen. Il m'a vu là ou c'est moi? J'ai cru qu'il m'avait vu. Voilà, on va prendre les dagues, la lame secrète, et dès qu'il arrive, vous me diriez par là, je pourrais peut-être. Je sais pas. J'ai peur qu'en fait là, si je saute, ça saute pas sur le bon. Je préfère être franc avec vous. J'ai peur que si je saute, ça saute pas sur le bon. Il veut pas ressortir de là. Parce que là, si je descends, il y a d'autres gardes en fait qui sont là aussi. Il y a lui en rouge, mais il y a pas que lui. Donc si je descends, c'est un peu la merde. Enfin, c'est juste pour le bonus des 500, quoi. Donc je veux bien retenter s'il sort de lui sauter dessus. Voilà. Mais non, là, il veut pas sortir, en plus. Ah, j'ai une idée. Enfin, espérons qu'elle marche, mais franchement, je pense que oui. On va, du coup, péter les gardes un par un. Alors, comment péter les gardes un par un? Comme ça. Voilà, voilà, on est bon là, vous allez voir. Lui, on va le buter sans problème, ensuite on tuera lui par derrière. Il y en a un autre là-bas aussi, mais bon, ça devrait aller. Je pense que ça va aller. Salut! Rentre là-dedans, voilà. Maintenant! Lui, il faut que j'attende qu'il ait le dos tourné, sinon ça le fera pas. Ah non, l'autre tout à l'heure, il a brandi son mousquet, c'est pour ça que j'ai cru que... Et... Salut! Yes! Ne prenez pas part au combat. Oui! Bonus de discrétion. Ouais, bon, c'est ça. Maintenant, par contre, vous vous cassez, les mecs. Non, mais... Vas-y. Hop. Hop. Allez-y, je vous fais un... Je vous fais une parade mortelle. Wow. On se casse. Mince, j'ai oublié de couper Skype. Je suis désolé, vous devez l'entendre. Juste deux secondes. Bombe. Non. Bombe. Les bombes. Vite. Les bombes. Fumigène, lance la bombe. Oh la salut, les mecs. Ouh. Ça commence à rentrer. Et regardez, ils me cherchent tous là. Où il est? Où est-il? On ne le trouve plus. Un tas de foin, là. Je peux me cacher là-dedans? Non, je peux me cacher là-dedans. Si, je dois pouvoir me cacher là-dedans. Oui, je peux me cacher là-dedans. Eh ben parfait, non, tais-toi Skype. Bref, de toute façon, c'est ici que nous allons nous arrêter. Je suis franchement désolé. En plus, le problème, c'est que vu que je suis sur console, je peux pas aller sur Skype pour arrêter. Enfin, c'est un peu loin. J'y penserai pour la prochaine fois, petite erreur. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, vraiment. Épisode un peu de tuto, je dirais, entre mon entraînement pour la discrétion et puis au début les flingues et les lames, voilà. J'ai jamais prétendu être le plus grand joueur d'Assassin's Creed, hein, qu'on soit bien clair, juste j'essaie de prendre du plaisir en découvrant le jeu avec vous. Et puis après, bah ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est plus compliqué qu'un Zelda Wind Waker que je connais comme ma poche, c'est sûr. Maintenant, moi je m'amuse vraiment bien dessus. Et puis, c'est vrai que c'est un jeu qui demande une certaine réflexion, je dirais, au niveau des techniques, etc., de l'approche qu'on doit avoir pour un assassinat, ce genre de choses. Et quand tu commentes, je le dis sur plein de vidéos, mais quand tu commentes, tu as tendance à être distrait justement par le commentary, donc c'est vrai que des fois tu passes à côté de certaines choses. Mais enfin bref, ça reste relativement sympa, on a 8500 pièces d'or, donc on se rapproche tranquillement des 14000 pièces dont on aura besoin pour des super sabres. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Prochaine fois, on ira au port qui est juste là. On n'en est pas très loin en plus. On va s'y rendre tranquillou. Oula, t'as failli te casser la gueule, mon gars. Pour la prochaine mission qui, à mon avis, va se passer en mer. Enfin, peut-être que je me plante complètement. Hein. Maintenant que le jeu est sorti depuis pas mal de jours, la plupart d'entre vous ont eu le temps d'être bien plus avancés que moi, voire le finir. Donc vous savez ce qui m'attend probablement si vous avez fait le jeu.
Mais je sais pas, là, perso, ma déduction serait que... Bah, que ce serait plutôt... Tais-toi. Que ce serait plutôt... Défi Abstergo terminé, effectuer 10 assassinats. On lira tout ça la prochaine fois également, mais qu'effectivement, ce serait un peu plus... peu plus de bateaux. Là, oui, je sais, je fais mon gros bourrin et je m'en fous. Je viens juste récupérer ça. Salut. Je lance la bombe. Salut. Ça, c'est pratique, la bombe. Franchement, ça, c'est pratique. Voilà, donc, on s'arrête ici. Base de données Animus. On lira tout ça au fur et à mesure de l'aventure, vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça récompense le boulot et ça fait toujours plaisir. Et on se quitte sur cette superbe vue. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, ciao tout le monde.